Donc là, on partage l'écran, on voit bien Nodé et Nicole. Oui. La sensibilité ISO, tu as dit que tu étais à 200 ISO, ça n'a aucune importance sur la profondeur de champ. Ah oui, je suis d'accord avec toi, mais Voilà. dans les réglages, c'est important quand même après, Oui, avec la lumière. c'est important, mais là, on considère que ce qui est vrai, qu'on a une bonne exposition de notre sujet, l'aider. C'est bien exposé. La sensibilité ISO, tu aurais pu te retrouver à 100 ISO ou à 1000 ISO. Dans l'absolu, sur la profondeur de champ, ça n'a pas d'incidence. Oui, c'est sûr. Donc là, pour avoir notre premier plan net et notre arrière-plan net, c'est ça qu'on appelle la profondeur de champ. Alors que toi, ta mise au point, elle est faite juste ici. Ouais. Excusez-moi. La mise au point, elle est faite sur le dé du milieu. Si on l'agrandit, voilà. Lui, il est net. Les autres, on les voit nettement. Lui, il commence à être dans le flou. Lui, il sort un petit peu du flou. Et lui, il est net. Donc, on le voit bien au sol. Tout ça, c'est net. Toute cette ligne-là, donc, lui. Hein? OK. Alors, donc, j'avais montré des photos la semaine dernière et je t'ai envoyé un petit mot pour t'expliquer ce qu'il aurait fallu faire. Excusez-moi, hein? Donc, notre mise au point Dans le du haut. premier. Exactement. Voilà faire ici. Tu fais ta mise au point. Tu utilises ton focus ou automatique ou tu fais ta mise au point manuelle. Le résultat est le même. L'essentiel est que notre premier plan soit net. Une fois que c'est net, bien sûr, nous avons mis là, dirigé ici notre appareil photo, notre collimateur pour faire notre mise au point. Lui, rouge, il n'est pas dans le cadre, il n'est pas dans le champ de notre appareil photo. Ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est que ici, qu'il soit net. Une fois que la mise au point, elle est faite, sur l'objectif et parfois sur certains boîtiers, on va débrayer, c'est-à-dire on va passer de AF focus automatique à MF focus manuel. Donc on va déplacer ce bouton pour le mettre sur MF mise au point manuel. Et une fois que nous l'avons fait, débrayer cette mise au point, nous allons, l'idéal, comme je l'ai dit, il faut que l'appareil photo soit sur un trépied. Surtout pour des natures mortes, pour des sujets comme ça. Si c'était un paysage, ce ne serait pas pareil et nous n'aurions pas du tout rencontré les mêmes problèmes de profondeur de champ. Hein? Donc, une fois que nous avons débrayé notre mise au point, notre focus, on va simplement tourner légèrement l'appareil photo pour recadrer et avoir notre sujet au milieu de notre écran, hein, de notre viseur. Et là, un conseil,
Ne commencez jamais, surtout quand on veut découvrir l'action de la profondeur de champ, ne commencez jamais à des ouvertures F8, 16, 22, etc., etc. Commencez toujours par l'ouverture la plus grande que vous avez et progressivement montez étape par étape. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à comprendre ce qu'est la profondeur de champ et notre action sur l'ouverture. Alors bien sûr, là, ce qu'il faut, c'est de travailler en mode priorité ouverture. Sur les boîtiers Canon, c'est AV, valeur d'ouverture. Sur Nikon, je ne sais plus ce que c'est comme. Je ne sais plus, c'est attends. Oui. Ouverture. Ah. Voilà, sur Nikon, c'est A. Ah. Voilà. Alors donc, on se met sur cette position-là. Hein. Ou bien, dans l'absolu, on peut travailler en mode manuel. Hein. Mais quoi qu'il en soit, une fois que nous avons recadré notre sujet, c'est bien équilibré, il est bien au milieu de notre viseur, on va commencer par l'ouverture la plus grande que nous offre l'objectif. Ça peut être 2,8, ça peut être 3,5. On sélectionne une focale, si c'est un zoom, et on n'y touche plus. On ne touche plus du tout. Alors, Nicole, si jamais je dis quelque chose que tu ne comprends pas, tu n'hésites pas, mais alors tu m'arrêtes immédiatement. Pas de souci, t'inquiète. Voilà. Hein? Et les autres, c'est pareil. Hein? Vous m'arrêtez immédiatement. Si jamais que j'ai dit quelque chose qui n'est pas cohérent, vous n'hésitez pas. Alors donc, vous Attends, commencez. juste une seconde là. Là, j'ai Oui. bien compris. Tu fais la mise au point avant de débrayer, c'est ça? Absolument. D'accord. Voilà. Tu fais d'abord ta mise au point sur ton, je prends cet exemple-là, sur ton premier dé. Ça aurait pu être des bouteilles, ça aurait pu être des images, des fruits, ça aurait pu être des légumes, n'importe, ça aurait pu être n'importe quoi. Hein? OK. Alors, tu fais donc ta mise au point sur le premier plan, sur ton premier sujet qui se présente devant toi. D'accord. Ici, en l'occurrence, le premier dé. Je vais pas dire de chiffres là-dessus parce que comme il y a plusieurs, hein, en tout cas, vous voyez ma flèche? Oui. Oui. Donc, on fait la mise au point sur celui-là qui est le premier plan. Ici, c'est le premier plan et le rouge là-bas, c'est l'arrière-plan. Donc, mise au point sur le premier plan. Notre premier dé. Une fois que la mise au point elle est faite, on débraye la mise au point. Il y a un petit bouton sur l'objectif, parfois, comme je disais, sur le boîtier, mais sur l'objectif, c'est sûr. Il y a un petit bouton, c'est marqué d'un côté AF, un bouton à peu près, peut-être 1 cm, hein. Oui, je D'un vois côté, aussi. voilà, c'est AF et de l'autre côté, c'est MF ou FM. Je ne sais pas si je regarde. Oui. Voilà, c'est AF ou MF. Alors donc, une fois que notre mise au point elle est faite, il n'y a pas de souci, on les met sur MF, M pour manuel, F pour focus, pour mise au point. Hein? OK.
Donc, une fois que la mise au point, elle est faite, on débraye sur l'objectif et on recadre notre image. Comme là, OK, maintenant, la globalité de notre image est au milieu de notre viseur. C'est parfait. Notre mise au point, on n'y touche plus, mais plus du tout, du tout, du tout. La focale de l'objectif qui a été utilisée pour faire la mise au point, on n'y touche plus. Donc, on ne touche plus du tout à la mise au point, plus du tout à la focale. La mise au point, ça se comprend si jamais qu'on y touche ou on le laisse sur automatique. Dès l'instant où on va appuyer un premier niveau sur les déclencheurs, eh bien, la mise au point va se faire et donc notre prise de vue sera faussée. Donc, on débraye une fois qu'on a fait la mise au point. La focale, c'est pareil, on n'y touche plus. Pourquoi? Parce que si on change de focale après, vous allez voir que la mise au point, même si nous l'avons laissée sur, nous l'avons débrayée, nous l'avons laissée sur MF, eh bien, la mise au point va être dégradée. Donc, on ne touche plus ni à l'un ni à l'autre. Ça signifie que ce sont deux réglages que nous allons faire avant de faire la prise de vue, après avoir fait mise au point et cadrage. Et une fois que ces deux éléments sont réglés, on les oublie. La sensibilité ISO, bon, ça n'a pas trop d'incidence. La sensibilité, si on a suffisamment de lumière, là tu avais suffisamment de lumière, donc que ça soit 100 ou 200 ou 400 ISO, ça n'a pas d'incidence. Hein? Et on démarre notre prise de vue. Si on a une télécommande filaire ou radio, c'est parfait. Si on n'en a pas, le retardateur est aussi parfait. Ça va nous permettre le retardateur ou déclencher en retard, le retardateur donc, ça va simplement nous permettre d'éviter les flous de bouger. Parce que si par exemple on voulait faire ça à main levée, c'est sûr, on risque d'avoir beaucoup de problèmes. Déjà, après chaque prise de vue, nous allons devoir modifier un seul paramètre. Le seul paramètre qu'on va modifier, je vous le donne en mille, c'est l'ouverture. Ouverture, oui. Voilà. La mise au point, on n'y touche pas, on l'oublie. Notre appareil photo est monté sur son trépied. Donc, il ne se sauvera pas, il ne bougera pas, hein, il est bien calé, c'est nickel. Hein. Donc, Si tu as on un met. problème, si tu as un problème de lumière, tu joues avec la vitesse aussi. Et qu'est-ce qui vaut mieux? Pas trop monter en ouverture et mettre de la vitesse ou pas? Alors, moi, je dis, bon, dès l'instant où on commence à faire ce genre de prise de vue, on considère que il n'est pas interdit que tu fasses des un ou deux ou trois clichés auparavant pour voir ta luminosité, la lumière ambiante. Voilà. Hein? On fait tous comme ça, on n'arrive pas poser ses modèles et déclencher, faire ses prises de vue et partir. Non, on fait toujours des prises de vue
de préparation, de test. Oui, mais il faut mieux garder une grande profondeur de champ, non? Alors, ta profondeur de champ, le premier cliché, elle sera pratiquement nulle. Ton premier cliché, ton objectif qui ouvre, est-ce que tu as ton objectif devant toi? Je ne l'ai pas sorti, mais oui, vas-y. C'est pas grave. Ne te fatigue pas. Ici, il est à côté. Bon, alors donc, ton objectif, tu dois avoir, ça c'est écrit sur l'objectif, tu dois avoir deux ouvertures, à moins que ça soit une ouverture constante. Non. Alors, tu dois avoir 3-5 tiré 5-6, voilà. Mmh. Alors, donc tu choisis ton objectif, tu choisis une focale. Une fois que tu as choisi ta focale, en fonction de ta focale, il est possible que tu ne puisses pas démarrer à 3.5. Ouais. Hein? Oui, ça arrive, ça. Voilà. Hein? Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est un objectif à grande ouverture, à focale, c'est un combien? 18,55? C'est un 18? C'est un 18,135. C'est un 18,135. Donc, à 3,5. 5,6. 3,5, 5,6. 18,135 mm. Donc, à 18 mm, tu peux utiliser toute la plage d'ouverture de 3,5. À peut-être F22 ou 26. Hein. Mais dès l'instant où tu changes de focale, si tu montes à 135 mm, le 3.5 n'est plus accessible. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Par l'objectif. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est mécanique. Tu n'y peux rien, personne n'y peut rien. Tous les objectifs du monde qui ont deux ouvertures, parce que ce sont des zooms, qui ont deux ouvertures, fonctionnent mécaniquement de la même manière. 3.5, c'est parce que tu es à 18 mm. Mm. Et tant que tu es à 18 mm, tu peux, 18 mm, tu peux utiliser toute la plage des ouvertures depuis 3.5, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, etc. Et dès l'instant où tu changes de focale, ton ouverture de 3.5 devient inaccessible. Le mini, c'est 5.6, quoi. Voilà. Et on a une petite nouvelle. Bonjour Antoinette. Ouais. Bonjour tout le monde, je suis un peu en retard. Ah, j'ai dû me connecter dans un premier temps, mais j'étais en retard avant, alors. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue Antoinette. Ça va? Très bien, je te remercie. Un peu fatiguée, j'ai préparé pour le... Parce que comme Nicole a fait la semaine dernière, moi c'est cette semaine. Alors... Ah, okay. Eh bien, on est plusieurs. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup la pêche. Hein? Non. Hein? Mais ça va aller. Si tu expliquais à Nicole, ça me servait parce que j'étais en train de regarder mon appareil photo par la même occasion, tu vois. C'est très bien. C'est bien. Alors, donc, je disais que donc dès l'instant où tu quittes le 18 mm, c'est-à-dire ta focale la plus grande, la plus large, 18 mm, tu la quittes, l'ouverture 3.5 devient inaccessible. Et ça, pour tous les objectifs qui existent au monde, quel que soit le constructeur, quelle que soit la catégorie,
dès l'instant où il y a deux ouvertures, 3.5, 4.5 ou 3.5, 5.6, dès qu'on change de focale, l'ouverture la plus grande devient inaccessible. OK. Voilà. Et donc, notre mise au point, je rappelle, elle est faite ici, au premier plan. Nous avons encadré notre sujet pour l'avoir. Pardon? D'accord. Bon, il a changé, je n'ai pas pour nous pour midi, c'est ça? Oui, ou tu prends 5 pains en plus. Non, je pense pour un. Tu m'as dit qu'il y a, c'est pas donc, eh ben, notre, pour nous avons encadré et notre sujet est bien équilibré au milieu de notre viseur. À tout à l'heure. Et après, on se met, qu'est-ce qu'on va faire? On commence par l'ouverture en conseil. Surtout quand on veut découvrir la profondeur de champ, on démarre avec l'ouverture la plus grande disponible en fonction de la focale utilisée. Pour les personnes qui ont des objectifs à focale fixe, eh bien, vous démarrez, quelle que soit la focale utilisée, vous avez une ouverture constante. Et vous démarrez donc à l'ouverture que vous avez 2.8 ou 3.5. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais les ouvertures variables, on démarre en fonction de la focale. On a l'ouverture que l'on peut utiliser. Alors Nicole, donc maintenant, et nous tous, notre appareil photo est posé. Notre mise au point, on l'oublie. La focale, ouais. Elle est réglée. On l'oublie pareil. Ouais. L'ouverture, on prend l'ouverture la plus grande possible. Et ça, nous allons le voir tout de suite en regardant dans le menu sans déplacer l'appareil photo, le laisser sur son trépied, appuyer sur les boutons. Avec douceur pour éviter de faire basculer l'appareil. Hein. Et on commence. Et quand tu vas te mettre sur le paramètre des ouvertures, tu vas savoir tout de suite quelle est l'ouverture maximale que tu peux, hein, que tu peux utiliser. En tournant la molette, eh ben, tu vas voir que eh ben, tu ne peux pas aller au-delà de cette ouverture. Tu peux aller plus haut et tu ne peux pas aller plus bas. Tu peux utiliser des chiffres plus gros et tu ne peux pas utiliser un chiffre plus bas. Donc, tu sauras tout de suite la limite. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tu sais que ton ouverture maximale, je vais dire n'importe quoi, est de, parce que tu as utilisé peut-être un 60 mm de. Eh bien, ton ouverture va être de 4.5 ou 5.6. Tu démarres ta prise de vue. Tu fais une prise de vue. Une fois que tu l'as faite, OK, nous allons changer un seul paramètre, un seul point. C'est l'ouverture. Si on veut découvrir tout dans le détail, nous allons faire cran par cran. Ouais. C'est-à-dire ce que beaucoup appellent, on va faire stop par stop. Ouais. Et quand vous entendez qu'on vous dit un stop, à chaque fois que vous tournez le bouton, le cran, la roulette crantée, c'est un stop. D'accord. Et quand on vous dit, eh bien, vous ouvrez d'un diaphragme, moi j'aime bien dire d'un diaphragme, c'est clair. Quand on vous dit, vous ouvrez
vous fermez d'un diaphragme. Il faut qu'on se rappelle que un diaphragme égale 3 stops. Ah. Un diaphragme égale 3 stops. Hein? Voilà. On aurait pu rester, ne pas compliquer la situation, dire, bon, on tourne le bouton de diaphragme, on change de diaphragme plutôt que de parler en stop, mais bon, c'est comme ça, je peux rien. Mais je vais faire la révolution tout à l'heure, on ne parlera plus jamais de stop. Alors donc, supposons que tu démarres à 4.5, tu fais ton cliché à 4.5. Une fois que tu l'as faite, tu changes uniquement l'ouverture, tu passes à 5.6. Mm-hmm. Ainsi de suite, tu fais 5.6. Si tu as envie, tu peux faire 7.1. Parce que si tu fais stop par stop, tu vas en faire peut-être une trentaine de photos, une cinquantaine de photos. En revanche, ce n'est pas désintéressant, hein, de faire stop par stop. Je vais, hein. Parce que si on fait stop par stop, c'est vrai, la séance de prise de vue, elle sera longue, mais en revanche, une fois que nous aurons tout sur notre écran, on voit la différence. Eh bien, on va voir la différence progressivement. Mmh. C'est très intéressant. Moi, quand je... parce qu'il ne faut pas croire que moi, ça m'arrive aussi de dire, tiens, ben oui, aujourd'hui, je vais réviser tel point, eh bien, je vais faire la profondeur de champ, hein, par exemple. Mais je vais faire stop par stop. Et c'est vraiment flagrant d'un stop par stop, la différence ? Ça doit pas être évident, hein. Alors, stop par stop, c'est facile à régler. Quand vous... Ah oui, merde, il est là-bas. Quand vous réglez, vous regardez votre menu. Est-ce que quelqu'un a son appareil sur lui ? Oui, vas-y. Oui, vas-y. Alors donc, vous l'allumez et vous mettez en priorité ouverture. Vous mettez donc en priorité ouverture. Et vous regardez sur votre écran de contrôle. Et vous avez votre ouverture qui est de combien? Pour moi, c'est à 9. Oui, bon, enfin bon. Alors, c'est à 9. Alors, Jean-Louis, tu vas le mettre à... tu as quel objectif? Tu as ton objectif de 8? Non, c'est l'autre, l'ordinaire. Non. Qui ouvre à combien? 2.8? 3.5, 4.5. Bon. Et l'objectif, c'est un 24.85. Bon, 3, 5, alors, 4, 5. Alors mets-le sur 50 mm. Yes. À peu près, hein? Oui. Donc 50 mm, ton objectif, tu n'y touches plus, t'as ton zoom, hein? On n'a pas besoin de mise au point parce que là, c'est juste pour le réglage. Hein? Oui. Nicole, tu y es? Oui. Hein? Alors donc, votre écran de contrôle, vous mettez l'ouverture la plus grande que vous pouvez. Je ne sais pas si ça va être 3.5 ou 4.5. Mais à 50, ça fait 4.2. C'est parfait. Alors donc, on reste à 4.2, Jean-Louis. Oui. Nicole,
Ben, 3-5, moi, la plus petite. Bon, alors donc, tu restes, tu es donc tu es à la focale 18 mm. Avec la 50. Ah oui, oui. Tu es à 18 mm, Nicole. Oui. Ah oui. Bon, alors donc, tu vas la mettre à une moyenne, tu vas la mettre à 50 mm, à peu près. Ok. Daniel? 5. Oui. Tu es à 5, Nicole. Ok. Daniel, est-ce que tu utilises ton boîtier aussi? Ben oui, je l'ai. Oui. Eh bien, alors donc tu le mets à 50 mm, mais toi, ton objectif, je crois que c'est un 2,8. C'est 2,8, oui. Voilà, alors donc, là, il n'y a pas de souci parce que ça soit 24 ou 70. Oui, ce sera toujours 2,8. Voilà. Toujours, voilà, exactement, Jean-Louis. Alors, donc, vous avez votre écran de contrôle. Antoinette, est-ce que tu as ton appareil aussi devant toi? Oui, je suis en train de regarder, mais j'arrive pas. Je pense qu'il doit être totalement réglé pour être automatique sur toutes les photos. Parce que j'ai pas trouvé dans les menus, je n'arrive pas à trouver ce que tu me dis. C'est normal. Alors, quand tu n'arrives pas à trouver, il ne faut pas hésiter, Antoinette, à me couper la parole. Hein. Ce sera avec plaisir. Hein. Alors, tu regardes, il y a un gros bouton au-dessus de ton appareil photo et tu dois l'avoir réglé sur le carré vert. Carré vert? Au-dessus. Par exemple, si on te dit de… Moi, le carré vert, il est auto-intelligent. Ah ben, alors, c'est ça. Tu le sors de là. Oui, c'est pour ça que je vais trouver le… Alors, attends, programme auto, priorité ouverture, voilà. Auto-intelligent, tu tournes ce bouton-là pour le mettre sur AV ou A. Oui, priorité ouverte. Ouverture, oui. Voilà. Oui. Et là… Qu'est-ce que c'est comme boîtier? C'est un Canon ou un Nikon? Ni l'un ni l'autre, c'est un Sony. C'est un Sony. Alors, donc, OK. Alors, tu dois avoir un menu, un bouton. Oui. Sur lequel tu dois appuyer. Malheureusement, je ne peux pas te dire comment il s'appelle. Et tu dois avoir sur ton écran… Après, bon, j'ai donc appuyé sur le menu. Oui. J'ai la taille de l'image, le ratio d'aspect, la qualité, ensuite le panorama et le banane, ensuite le menu 2. J'ai le zoom numérique, pause long, ISO élevé, commande flash, illuminateur. Ce n'est pas ça. Voilà. Non, je n'ai pas la… La possibilité de régler comme vous. Alors, sur ton bouton où il y a que tu as dit auto-intelligent, tu as priorité, tu as auto-intelligent, tu as le P. Tu n'es pas filmé, tu peux rester là. Le P, c'est programme auto. Oui, tu as le P, tu as le A ou le AV. On a coupé les caméras. A et puis S, priorité vitesse. S de vitesse, speed. Exposition manuelle. Bon, alors donc, il faut que tu viennes sur A. A ou AV. Je suis sur A. Et tu dois pouvoir régler ton ouverture maintenant. Sony, je ne connais pas. Oui, non, mais je te dis, il ne me propose rien. Oui, c'est parce que il est obligé de proposer, c'est parce que simplement que… Je ne sais pas rentrer dedans. Oui, tu devrais pouvoir rentrer dedans, c'est parce que simplement je ne connais pas Sony, donc je ne peux pas te dire le bouton, comment il s'appelle.
Mais c'est sûr, c'est certain, on peut régler l'ouverture. D'accord, mais c'est pas grave. Je chercherai beaucoup plus la prochaine fois. Oui, tu regardes dans ta notice. Dans ma notice, oui. Comment il s'appelle ton appareil? Mon appareil, c'est un Sony. Sony, c'est le A, tu sais, de travers 58. 58. C'est, le A de travers, ça doit être Alpha. Hein? Alpha. Oui. Le bitonio là, c'est Alpha. Hein, l'espèce de truc là. Donc, Alpha 58. Alors, je regarderai pour la prochaine fois. Et tu regarderas aussi dans ta notice. La notice, elle ne prévoit pas que je modifie quoi que ce soit dans les réglages. Mais je regarderai à nouveau. Hein. Oui, c'est sûr. Tu as priorité vitesse, priorité ouverture. Tu peux les régler sur le boîtier, c'est sûr. Tu regarderas dans la notice, je regarderai pour la prochaine fois. D'accord. Alors, donc là, vous voyez votre ouverture sur votre écran. Nicole, par exemple, quelle est l'ouverture que tu as sur ton écran? 5, je crois, je t'ai dit. Bon, 5. Alors, tu as 5. Alors, tu tournes. Alors, tu sélectionnes l'ouverture comme pour la régler. Alors, ah oui, tu ne peux pas descendre. Hein. Ouais, donc, 5, 6. Hein. Alors, tu fais un cran. Un cran, ça fait rien. Alors, un cran, oui, ça fait 5, 6. Voilà, tu es à 5, 6. Fais encore un cran. 6, 3. Fais encore un cran. 7, 1. Et voilà. Donc, 8. À chaque fois que tu fais un cran, ça correspond à une ouverture. Mmh. Alors, ça vous l'est, hein? Oui, bien sûr. Tout ce que Nicole vient de dire, j'ai la même chose. Voilà. Un cran, là, c'est un stop ou c'est… Un stop. Un stop, d'accord. Voilà, un cran égale un stop. Et un diaphragme… Trois stops. Trois stops. Hein? Voilà. Alors, donc, là, on voit sur tous les boîtiers que nous avons, à chaque fois que vous tournez la roulette ou le bouton. Une roulette. Une roulette, donc, crantée, vous montez d'un, le chiffre change d'un dixième, je ne sais pas si je peux dire dixième ou autre, mais vous changez d'ouverture. Nicole vient de nous donner un exemple, 5. 5, après, c'était 5 points combien? 5, 6. 5 fois 6, 6.1. Voilà. Alors, donc, à chaque fois que vous changez votre valeur d'ouverture, vous êtes en train de modifier votre profondeur de champ. Eh oui. C'est pour ça que la profondeur de champ n'est pas la même à 2,8 qu'à 22, quoi, en exagérant, quoi. Merci. Et même pas, non, Jean-Louis, tu n'exagères pas, c'est exactement ça. Eh bien, oui. La profondeur de champ à 2,8 ou 3,5 ou 5.0 n'est pas du tout la même que si vous l'aviez réglé à F22. C'est pour ça que… Oui, vas-y. Non, je t'en prie. C'est pour ça que, avec les 5D qui sont alignés là, la netteté de l'image, de la photo, ne va pas être la même sur toute la plage entre 2,8 et 22 maxi, quoi, par exemple. Tout à fait. Alors, donc, quand on va démarrer la prise de vue, je prends ton exemple, Nicole. Notre mise au point, elle est faite sur le premier dé. Tu es à ouverture 5,
2.0. Ouais. Et clac, tu déclenches. Ouais. Une fois que tu as déclenché, tu changes ton ouverture. Si tu as le temps devant toi, tu fais stop par stop, cran par cran. Ouais. Et plus, une oui. fois que tu l'as fait, tu déclenches. Ouais. À chaque cran, tu déclenches. Plus tu oui, pars, ça, plus... je suis d'accord avec vous, j'ai compris, mais il faut bien un réglage sur la lumière aussi. Ah ben c'est la vitesse qui va compenser. Tu vas voir c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Tu vas voir que ce que vient de dire Jean-Louis, c'est mathématique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, j'ai alors, mal. Ma question, c'était ça. Est-ce que il faut privilégier la profondeur de champ? C'est-à-dire pas trop. Attends, on monte ou on descend, je ne sais plus. Pas avoir un chiffre trop gros et régler par l'intermédiaire de la vitesse ou quoi en fait, qu'est-ce qu'on privilégie? Mais c'est toi qui décides. Là, si tu as un objet en mouvement, il vaut mieux privilégier la vitesse. Si tu as un objet statique, c'est l'ouverture. Mais si tu règles en vitesse, sur la vitesse, c'est l'ouverture qui va être modifiée et inversement. Bon, à la limite, si on reprend ma photo d'aiguille là. En fait, il faut qu'il y ait, comment dire, une profondeur de champ suffisante jusqu'au dé rouge. Après, on s'en fout, quoi. Voilà. C'est ça ? Voilà. Et après, tu règles la vitesse pour avoir la lumière que tu veux. Tu ne règles pas. Nicole. C'est un mode ouverture. Nicole. Oui. Tu es en mode AV, priorité ouverture. Oui. Ah ouais. Donc. Ah ouais. Comme ta mise au point, elle est faite là sur ton premier dé, la mise au point, on n'y touche plus. Ton ouverture, tu as démarré à 5.1 ou 5.0. Tu fais un cliché, tu déclenches. Et après, rappelle-toi que quand on est en mode priorité ouverture, ouais. on impose. Ouais, ouais, ouais. Et l'appareil photo se débrouille pour avoir une bonne exposition. Voilà. Suivant la quantité de lumière qui existe, hein, on peut parfaitement au départ se retrouver avec des vitesses de, je dis n'importe quoi, 1/125e, parce qu'il y a beaucoup de lumière, ou 1/250e, mais au fur et à mesure que nous fermons notre diaphragme, l'appareil photo va compenser pour avoir toujours une bonne exposition. La vitesse qui était de 1/125e va descendre progressivement à 1/100e, 1/80e. Ouais, en manuel, en fait, ouais. Voilà. Donc, faut surtout oublier le mode priorité vitesse, le mode programme, le mode manuel. Il faut travailler en mode priorité ouverture. Ça nous oblige à ne travailler que sur un seul, à modifier qu'un seul paramètre, l'ouverture. Oui, vous avez raison. Hein? Ok. S'il y a quelque chose que je dois répéter, tu n'hésites pas, Nicole, et je me ferai le plaisir de répéter. En fait, moi, je raisonnais en manuel, donc oui, voilà, en AV, effectivement, la vitesse, ça va se régler toute seule. Voilà, le boîtier s'en charge. Mmh. Antoinette, si tu as des questions aussi, tu n'hésites pas, hein, tu m'arrêtes. Non, hein. T'inquiète. Alors, donc, je continue. Tu as fait ta première photo, ton premier cliché, ton ouverture était de 5.0. Tu fais un cran. Vas-y, Nicole, tourne ton cran et tu me dis. Ben, 5.6. Tu fais un cliché à 5.6. Les autres, c'est pareil, hein? Mm-hmm.
On a fait notre cliché à 5.6. Tourne encore le cran, Nicole. Ça devrait être 6.1, non? Non, je ne sais pas. Tu tournes le bouton. Attends. 5.6, 6.3. Eh bien, tu fais un cliché à 6.3. Tourne le bouton encore. 7.1. Et voilà. 7.1, tu fais un cliché. Hein? Et vas-y, 7.1, on se retrouve à attends, 8. Voilà. Donc, ainsi de suite. F8. 9. 9. 10. 10, 11. Voilà. 12, 13, 14, ouais. Exactement, Nicole. Donc, ton appareil photo ne bouge pas. Il est monté sur son trépied. Et tu n'as qu'un seul paramètre à régler. C'est l'ouverture. À chaque fois que tu fais un cran, un stop, un cran, hop, tu déclenches. Tac. Tu vas peut-être en faire une vingtaine, une trentaine, Nicole. Ce n'est pas grave. Tu vas pouvoir les effacer cet après-midi ou demain ou après la semaine prochaine. Mais tu vas voir sur ton écran, effectivement, mon premier cliché, tout le fond, à partir du deuxième dé, c'est flou. Eh bien, ce n'est pas grave. Je continue. 5, 6, 7, 7 points, ceci, 8, 11, 16, etc. Et progressivement, tu vas avoir ton premier dé et ton dernier dé qui seront dans le net. D'accord. Mais tu fais vraiment une recommandation, tu fais cran par cran, tu fais stop par stop, ne fais pas diaphragme par diaphragme, parce D'accord. qu'entre deux diaphragmes, il y a plusieurs réglages. Hein? Oui, chef. D'où? Alors, je vais. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. D'où, par exemple, quand tu regardes. Voilà. C'est ça que nous avons regardé la semaine dernière. Et c'est ça que je t'ai envoyé. Oui, j'ai vu, ouais. Alors, on voit que ça, c'est le premier cliché. La mise au point, elle est faite sur la bouteille. Et on voit la ligne de netteté qui est là. Ouais. Donc, la bouteille, elle est nette. Mais je ne vais plus changer, je ne vais plus déplacer l'appareil photo, je vais juste modifier l'ouverture. Hein? Et tu vois le ballon, il est vraiment dans le flou. Ouais. Et l'arrière-plan, le tas de bois là, il est toujours dans le flou. T'as combien là? Là, je suis à combien? Je vais vous le dire de suite. Trois. Voilà, nombre F. 2.8. Voilà. Nombre F, je suis à 2.8. Hein? Et là, je suis à F4. J'aurais pu mettre 3.1 ou je sais pas, 0.2. Moi, j'ai voulu faire carrément sauter plusieurs crans. Hein. Donc là, je suis à F4. Hein. Là, je suis à F5.6. Après, on va le passer plein écran. Là, je suis à F8. Tu vois la bouteille déjà de champagne là, et tu vois le ballon. Mmh. Tu vois le tas de bois au fond.
Ouais. Comment ? À être dans la zone de netteté. Je continue. F10. Et regarde bien toujours le ballon. Hein ? Nous sommes à F10. F10. F14. On voit les dessins sur le ballon. On commence. Ouais. Hein, tu les vois? Tu vois ton tas de bois au fond? Hein? Et je passe F16, F18. Hein? Tu vois? Tu vois ma zone de netteté qui était juste ici? Maintenant, c'est uniforme. Voir comme elle s'éloigne. Tu vois comme elle s'éloigne. Effectivement, Daniel a raison, ça devient uniforme. Hein? Et là, on voit nettement les dessins, parce que c'est un vieux ballon, comme je disais la semaine dernière, qui a au moins 43 ans. Hein? Voilà. Il a fait la Coupe d'Afrique en 1936. Voilà, hein, il a fait son... La Coupe d'Afrique en 1936. Exactement. Hein. Donc là, on voit mon image. Et je ne peux pas aller au-delà de 22. Il y a des objectifs qui vont encore plus loin. Mais mon objectif ne me permet pas d'aller au-delà. Et si je reviens au premier et je me mets en lecture, voilà. Donc, maintenant, on sait que j'ai démarré à F28 et j'ai fini à F22. Donc, je fais un cran, enfin, un cliché et... La bouteille, on s'en occupe plus, on ne s'occupe plus d'ailleurs de rien du tout, si ce n'est de changer juste l'ouverture. Regardez, toujours le ballon et le tas de bois. Le ballon, on voit déjà les bandes là, les lignes. Oui. Hein? Et tout à l'heure, on avait juste ici, comme je disais, notre bande de mise au point. Et maintenant, cette bande de mise au point s'est élargie pour aller jusqu'au bout. Et plus vous allez fermer votre objectif, plus la profondeur de champ va s'amplifier. Voilà. Exactement. Hein? Ça va être tout. Est-ce que chacun a compris? Oui. Et Nicole, est-ce que tu voudrais que je répète quelque chose? Non, pas du tout. Moi, ça y est, c'est clair. En fait, dans ma tête, ce qui me perturbait, c'était... le réglage de l'intensité lumineuse et de l'ouverture. Mais en fait, j'étais en manuel, je n'étais pas en AV. Donc, voilà, c'est clair maintenant. D'accord. Et vous voyez, par exemple, là, longueur focale, 65,5. Mais depuis le premier cliché, tu vois, je change de cliché. Je n'y ai pas du tout touché. Ouais, ouais. Bah oui. On voit bien la vitesse qui change aussi. Hein. Voilà, il n'y a que l'ouverture que je change et on s'aperçoit que où est-ce qu'elle est la vitesse? Juste au-dessus de ta flèche, en dessous de ta flèche. En dessous de ma flèche. Ah, mais ça bougeait entre temps. temps de pause. Ah. Voilà, temps de pause.
Et moi, je ne m'en suis pas du tout occupé, c'était le cadet de mes soucis. Et ce sera le cadet des soucis de tous les photographes qui vont travailler là-dessus, surtout en mode priorité ouverture. Puisque si j'utilise une ouverture, j'impose cette ouverture, l'appareil photo va trouver la vitesse qu'il faut. Hein? Là, un 2500e, tu vois, l'autre, c'est un millième, un 640e. Et après, c'est un 60e en dernier. Et pourquoi, Nicole? C'est pas un piège, hein? Ben non, parce que c'est fermé, donc il y a moins de lumière. Ben alors, Nicole, ça y est, tu as maîtrisé complètement la profondeur de champ. Tu me prends pourquoi là? Moi, je me disais, Nicole, oh, bof, hein, Nicole, c'est pas Antoinette. mais on est tous pareils. Hein. Et Tu sais, il suffit d'en faire et de s'y mettre, et effectivement, il y a comme ça que ça marche, hein. Exactement, Nicole. Hein, c'est ça. Pour, mais surtout quand on rencontre comme ça l'assimilation de la profondeur de champ, il faut vraiment en faire parce qu'il y a, c'est pas vraiment cohérent, mais moi j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui faisaient beaucoup de photos, et bien la profondeur de champ, et bien il faut vraiment le petit chiffre correspond à la plus grande ouverture, le gros chiffre correspond à la plus petite C'est ça ouverture. le plus perturbant. T'es obligé. Moi, je Ah réfléchis. oui, ben oui, ben oui, je sais. Hein? Mais on est tous passés par là. Mais si à un moment donné, faut pas prendre ça comme galère, comme faut vraiment faire, faut pratiquer, même si ce sont des sujets, tu sais, là. Une vulgaire bouteille d'eau, une bouteille de champagne vide, un vieux ballon, mais tu prends n'importe quelle chose. Les dés, c'est parfait. Tu prends n'importe quoi qui se présente devant toi, même si c'est un caillou, une branche, une bouteille, eh ben tu prends. Hein? C'est bien pour faire des tests. Alors, entre la bouteille d'eau et la bouteille de champagne, il y a 1,50 m. Ouais, on dirait pas. Voilà. Entre la bouteille de champagne et le ballon, pareil. Et entre le ballon et le fond là-bas, il y a 1,75 m. Voilà. Et moi, je me trouvais à peu près à 2 mètres. Non, non, Devant. non, 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 que je regarde. Je les avais notés. À 1,50 m de la bouteille. La bouteille, d'accord. Voilà. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'il faut arriver à comprendre, profondeur de champ. Et je pense que c'est la partie la plus difficile, mais en tout cas la moins facile dans la photo, dans les. La compréhension des paramètres, la profondeur de champ et l'hyperfocale. Voilà. Ces deux trucs, quand on arrive à bien les comprendre, la profondeur de champ, c'est vraiment, vraiment quelque chose de facile, mais ce n'est pas, et parfois ce n'est pas logique. Qu'est-ce que c'est que tu appelles l'hyperfocale? Hyperfocal, c'est Ouais. quand tu. Et au maximum? Non, Non? non, c'est quand tu veux faire un cliché sur une longue distance, c'est-à-dire que par exemple, tu es devant. Alors, je suis devant ma bouteille. Alors, je fais.
en considérant. Oui, alors je suis devant ma bouteille. Si je fais mon cliché normal, vous savez, sur les objectifs, il y a sur les objectifs, vous avez un chiffre, enfin, vous avez une petite bande, et quand vous faites votre mise au point, je vais scanner des photos que j'ai faites en hyperfocal et je vais le scanner parce que c'était des photos sur papier et je vous les envoie. Là, je suis. C'est une grande profondeur de champ, c'est ça, non? C'est à peu près comme la profondeur de champ, oui, oui. C'est à peu près comme la profondeur de champ, mais tu fais ta mise au point sur ton premier plan. Ouais. Tu fais ta mise au point sur ton arrière-plan. Ouais. Hein, et sur les objectifs, et on le voit beaucoup plus facilement sur les objectifs à focale fixe, hein? Parce que maintenant on a beaucoup plus de zoom que de focale fixe, et tu as un endroit sur la fenêtre de la mise au point, voyez, sur la fenêtre des distances du moins, hein? Sur cette fenêtre, on va tourner cette bague quand on se verra. J'amènerai un objectif parce que j'en ai encore, objectif à focale fixe, et je vous montrerai, ce sera encore beaucoup plus simple à comprendre. Et sur cette fenêtre, tu vas tourner ta bague de mise au point et le mettre sur un repère, pas sur l'infini, juste avant l'infini, il y a des repères, hein? Et à partir de ce moment-là, quand tu regardes dans ton viseur, ton image est floue, mais totalement floue, de A à Z, c'est-à-dire du premier plan à l'arrière-plan, ton image est floue. Tu ne t'occupes plus de rien du tout, même si l'image est floue. Et tu déclenches. Et quand tu vas regarder, quand tu vas faire tes tirages, quand tu vas regarder ça sur ton écran, eh ben, tu vas t'apercevoir que toute la plage de ton image est nette, bien qu'en regardant dans ton viseur, eh ben, l'image est floue, est totalement floue, pas partiellement nette, partiellement floue, mais totalement floue. Ah bon? Quand on se verra, mais franchement, oubliez l'hyperfocal. Je vous amènerai un objectif, je vous montrerai et vous saurez, on en parlera dans le détail et j'amènerai ces clichés, ces photos-là que j'ai faites sur papier. Je vais tâcher de les scanner si j'y arrive et je vous les enverrai. Hein? C'est ça l'hyperfocal. Tu ne t'occupes plus de rien du tout et tu déclenches tout simplement. Surtout, faire attention de ne pas toucher à la bague de mise au point. Voilà. Et quand, en général, quand on travaille en hyperfocal, on ne couvre pas un événement. On ne fait pas un reportage en hyperfocal. Bien. On va le faire pour, par exemple, un paysage. Avoir la netteté depuis 60 cm jusqu'à l'infini. OK. Hein? Voilà. Donc, on parlera de l'hyperfocal, mais
on ne travaille pas en hyperfocal, même pas une fois sur 10, hein, même pas une fois sur 10, parce que son utilisation n'est pas toujours justifiée. Hein. Adonai, tu le vois là, tu le vois le repère? Mm-hmm. Attends. Le repère. Où? Oui, eh ben c'est par là. Voilà, tu vois, tu as un repère là, tu vois, t'as l'ouverture infinie. Oui. Et je reviens en arrière, il y a un repère. Ah oui. Voilà, c'est par là. Ah, tu vois, il y a un repère. Tu vois, on voit le trait blanc là sur le fixe. Oui. Et puis il est là. Tu vois qu'il bouge là? Mmh. D'accord. Voilà. Donc sur ce repère, tu es en hyperfocal alors. Voilà. Alors, faut faire ta mise au point. Voilà. Si un jour ça vous intéresse, mais je vous montrerai, mmh, et on fera la pratique. Hein? Oui, parce qu'après ces repères, il y a 3 mètres, 1 mètre 50, 1 mètre, 0,7 et macro. C'est... Il y a la zone macro qui est complètement à l'autre extrémité. Extrémité, voilà, ouais. Hein? Ça, j'ai jamais fait attention à ça. Hein. Oui, par contre, sur l'autre, je ne l'ai pas, hein, le repère, hein, je ne l'ai pas. Ouais. J'ai l'infini, parce... mais je n'ai pas le repère. Oui, c'est un peu normal parce que c'est… Je ne l'ai pas. C'est un peu normal parce que normalement, techniquement, on ne peut pas utiliser, on ne peut pas faire de clichés en hyperfocal avec un objectif zoom. Ah, Théoriquement. Voilà. Okay. On peut faire des clichés en hyperfocal avec un objectif à focale fixe. Est-ce que j'ai l'autre, c'est un 300, c'est un focal fixe. Et voilà. L'autre, le gros là. Le gros, ce que tu nous as montré. Voilà. Voilà, oui. Alors donc, on en parlera et plus en détail. Et là, Nicole, nous tous, voilà, on maîtrise. C'est ça la bête. Voilà, exact. La focale fixe, c'est un 300 ça. Voilà, c'est un 300 focal fixe. Voilà. C'est un 300 mm. Avec un doubleur, ça te fait un 600 mm. Oui, là, c'est un 1,4 celui-là. Je vous ai bien acheté un doubleur, oui. Mais ça, c'est un multi 1,4. Il est là devant. 1,4, d'accord, ça te fait 500 poussières. Non, même pas 420. 420, d'accord. 420. Alors donc, Nicole, profondeur de champ, mais je te promets que c'est cran par cran, ça va être long, mais tu vas voir que ce sera profitable. D'accord. Ce sera vraiment bénéfique. Hein? Et tous, Antoinette, Daniel, Jean-Louis, tous, on peut faire ça. Faire un test, le sujet n'a pas d'importance. Prenez n'importe quel sujet, vous pouvez en mettre 3, vous pouvez en mettre 4, vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre 5. L'essentiel est que entre les deux sujets, si vous en avez 2 seulement, qu'il y ait suffisamment d'espace entre les deux. Hein? J'aurais pu mettre la bouteille à 20 cm, hein? Mmh. Ça aurait été beaucoup plus facile. J'aurais pu retirer le ballon, avoir que 2 trucs, les mettre à 20 cm l'un derrière l'autre, et c'est plus rapide et plus simple. Mais une fois que tu as ton premier plan, tu as ton arrière-plan. Une fois que tu as ton premier plan,
ton arrière-plan, eh bien, il peut, au milieu, on n'est pas obligé de mettre quelque chose. Là, ça permet simplement de voir que progressivement, petit à petit, eh bien, on gagne en netteté, et voilà. Hein? OK. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et nous continuons à